Hey yo, salut les gamers, les gamers, c'est Monsieur Moret, aujourd'hui pour ma première vidéo sur FIFA 16. Donc je sais pas trop quoi faire, donc je vais faire tout simplement une saison. Donc vous voyez que j'ai déjà monté une division, que j'ai déjà fait deux matchs sur la division 9. Donc j'ai fait un nul et une défaite, c'est pas fameux, il me reste 8 matchs. Donc je vais prendre quelle équipe pour ma saison, toute la saison, ça sera Lens. Donc je vois déjà les gars qui vont tailler, etc. Mais pourquoi je prends Lens? Parce que déjà c'est mon équipe de cœur depuis un moment. Depuis très très longtemps même, voilà, en dehors de FIFA, je suis toujours au match, etc. Bref, ça on s'en fout, je raconte pas ma vie. Et aussi parce que, au lieu de prendre une grosse équipe, genre le... Je sais pas moi, le Barça ou quoi que ce soit, et que ça serait trop simple, et ben, vaut mieux prendre une équipe qui, je l'avoue, n'est pas exceptionnelle, n'est pas très très forte, ça, on peut pas le nier. Mais, ça nous donne du challenge, donc je vais... tout de suite chercher un match, donc je vais faire aussi des changements, je vais regarder par rapport à l'équipe qui est sur le terrain. Alors, Mettelsen, à place de... Non, je vais laisser comme ça, je vais mettre peut-être changer le dispositif. C'est 4-4-2, 4-5-1 non, 4-4-2 non, 4-5-1 offensif, 4-5-1 non, est-ce qu'il y a, voilà, 4-4-2 en losange, ça me plaît bien, donc je vais regarder au niveau des placements des joueurs, voilà, c'est bon, c'est parfait, donc maintenant on peut rechercher le match. Après 1 minute 47, pardon, début de vidéo, on cherche enfin le match. Donc, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez. Soit je fais une saison comme celle-ci, j'essaye de monter en division, en première division. Soit j'essaye FUT. Alors, je vais vous dire, j'y connais rien du tout à FIFA Ultimate Team. Je le cache pas, j'y connais rien du tout. Donc, expliquez-moi si vous voulez que je fasse... du FIFA Ultimate Team, et aussi pour NBA 2K, je vous pose la question, je sais que si vous regardez du FIFA, ça vous plaît pas spécialement, mais pour ceux à qui les deux jeux plaisent, et ben je vous invite à me dire ce que vous voulez que je fasse sur NBA 2K, soit comme j'avais fait sur NBA 2K14, des matchs en ligne contre quelqu'un, ou alors une carrière, ou bien les deux, on verra. Donc allez, c'est parti, on va démarrer, donc je joue contre Frosinone, donc ça doit être une équipe italienne bien sûr, mais genre de deuxième division ou je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air très fort, mais ça dépend du gars qui est en face. J'espère que ça va pas trop laguer parce que j'avais vraiment une sale connexion. J'espère que le chien va fermer sa gueule parce qu'il va me niquer le commentary, je le sens. Je sais pas si vous l'entendez, en tout cas je pense que vous l'entendez, mais je vais essayer de passer ma voix au-dessus de son aboiement, comme ça je le troll, et en plus il est en train de me déconcentrer parce que je sais pas qui frappe à la porte. Mais en tout cas, je peux pas répondre les gens, hein. Vous frappez au mauvais moment, au moment où je suis en train de jouer, donc soit vous laissez un message dans la boîte aux lettres, ou vous m'appelez, de toute façon j'ai mis le téléphone en silencieux, donc vous me dérangerez pas. Bref, je suis en train de faire n'importe quoi, j'essaie de me concentrer sur le match premier, centre. Non. Allez. J'essaie de me concentrer un minimum sur le match, et c'est parti. C'est vrai qu'avec des équipes, comme je le disais juste avant, comme j'ai dit que je voulais prendre cette équipe parce que c'était l'équipe que... mon équipe de cœur, voilà, et que voilà, ça donne un peu plus... de difficultés. C'est vrai que vous verrez pas des matchs énormes, quoi, des grosses frappes, quoique des fois je mets des trucs assez. Attention, là on se concentre pour le premier lob. Oh là là. Non, là j'ai tenté le spectacle. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû assurer avec un petit enroulé parce que là il part en contre. C'est bon. Non, c'est pas bon. J'espère que vous entendez pas non plus les boutons parce que je suis en train de m'acharner sur ma manette. Il va me mettre accroché là. Ah oui. Il me prend pour qui celui-là? Allez, on essaye de repartir proprement. L'arbitre, tu me déranges un petit peu. Allez, là tu pars. Là tu pars, t'es plus rapide que lui. Merde. Attention. En défense, ça va, je me débrouille bien. C'est en attaque, en fait, souvent, quand je suis des fois seul face au gardien, j'hésite, je sais pas trop quoi faire, en fait. Je me cherche. Et du coup, je galère. Je sais pas si j'enroule, si je frappe en force, si... Si, voilà. Allez, voilà, tu l'as vu. Là-bas. Ah non, pas lui. Pousse-la, voilà. Oh
Oh là là. Ah oui, il y a faute. Il est parti un petit peu tôt. Bah bien sûr qu'il y a faute. Je me disais aussi, c'est quoi ça Où je suis hors jeu? Non, mais non. Mais arrêtez, commencez pas quoi, putain. J'avais la mèche de cheveux qui était hors jeu. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va se dépêcher ou il veut que je l'aide? J'ai pas le temps mec. Hein. T'as peut-être le temps mais moi je l'ai pas. Merci. Voilà, hop. Alors il y a hors jeu. Là je veux bien qu'il y ait hors jeu. Ouh, j'ai shooté. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait lâcher le ballon. Excusez-moi pour vos oreilles, mais j'ai vraiment cru que le gardien allait lâcher le ballon en mode FIFA 98, que j'allais me manger un carton rouge pour avoir taclé le gardien à l'ancienne. Mais non. Allez, là, il faut vraiment essayer d'en marquer un, parce que j'ai pas envie de faire un match nul. J'en ai déjà fait un dans cette division 9. J'ai fait une défaite, donc j'ai qu'un point. Il faut que j'ai minimum 6 points pour pas être relégué. 10 points, je crois, pour monter la division au-dessus. Donc on verra. Ah, ça c'était téléphoné, comme diraient nos amis commentateurs FIFA depuis bientôt 15 ans, parce que cette phrase, elle est recyclée à chaque année à FIFA. C'est merveilleux. Allez. Oh putain, mais c'est quoi ces comptes favorables? Allez, non, ouais, bah oui, il allait le mettre, le crochet, je le savais. Allez, aïe. C'est compliqué, hein. Je vous ai dit, vous allez pas voir le plus beau match de YouTube ou de FIFA que vous ayez jamais vu. Mais au moins, on essaye de se défendre. On essaye de gagner, surtout. Oh là là. Ah, il va le mettre dans l'axe. Ah oui. Le classique, centre-tête, et c'est le but. Bah c'est bon, on regarde le pas, c'est pas non plus le plus beau but qu'on ait vu sur FIFA, donc commence pas à faire le fou, s'il te plaît. Et laisse-moi aller faire mon engagement et essayer de remarquer, s'il te plaît, tu serais sympa, merci. Allez, monsieur l'arbitre. Bon, monsieur l'arbitre, il était temps. Allez. Et j'ai remarqué aussi que dans ce FIFA 16, il suffisait plus de prendre le ballon et de monter direct en attaque. Mais en fait, il fallait vraiment bien jouer en passe. Donc moi, ça m'arrange parce que j'avais un peu ce genre de mode de jeu-là, qui est assez chiant, je l'avoue, qui est pas beaucoup aimé. Mais moi, je suis plus le gars qui va construire son action, machin, que d'aller foncer vers le but. Parce que bah, c'est le beau jeu, quoi. Là, il va mettre un crochet de merde. Ouais, ah, je le savais. Mais j'anticipe tout ce qu'il fait, mais à chaque fois... Voilà, bah. Aïe, pas le deuxième. Voilà. Oh, la faute. Oh, l'arbitre laisse jouer. Laisse jouer, si c'est ça, oh, putain. L'arbitre a l'air d'être vraiment bon aussi, je crois. Allez. Oh, il la prend pas, putain. J'aurais pas dû mettre le 4-4-2 en losange parce que sur les... Moi j'aime bien aussi jouer sur les ailes et 4-4-2 en losange, en fait, je me rends compte que... ceux qui devraient être sur l'aile, regarde, voilà, ils y sont pas. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu dans l'axe et c'est pas ce que je préfère, franchement. Donc je verrai peut-être à la mi-temps pour changer ça. Ah, il est petit lag, c'est merveilleux. C'est pas Mako, parce que pour une fois, il y a rien d'allumé à la maison, à part... Il est pas hors jeu. Oh non, mais... Je veux voir le hors-jeu. Je veux le voir. Ah, là c'est un peu plus net, excusez-moi. Je croyais que j'étais parti avant. Là il va la mettre là, il va la mettre à lui. Ou bien sur le côté là-bas sur l'aile. Ah non, prends pas ton temps comme ça, de toute façon tu gagnes. Mais t'es sérieux ou quoi? Le mec, je sais pas s'il joue la montre. Mais tu gagnes 1-0. On est à la 37ème minute. Mec. Merci. Voilà, en plus pour faire ça, quoi. Non, mais s'il te plaît. Respecte-toi un peu. Voilà, allez, sur l'aile, voilà. Allez. Ah là 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 là, sente. Ah. Oh. Oh non, mais non. T'écrases trop ta frappe. C'est pas possible. Allez, tacle-le, voilà. On récupère le ballon. Allez, ailleurs jeu. Non, il l'était plus, mais c'était chaud. Il va la mettre sur l'aile, je le sais. Ah, je suis parti trop loin. Voilà. Mais c'est trop prévisible. Son jeu est tellement prévisible que c'est affolant que j'arrive à me faire avoir. Et merde, tacle-le, voilà. Il allait la remettre dans l'axe, sinon je m'en mangeais un deuxième. Allez, voilà.
Là-bas, oui, à lui. Ah, ça passe pas, ça passe pas. Ah, il y a une bonne défense aussi, il défend bien le mec. Je sais pas si c'est mis en ultra défensif, mais il défend bien. Ah ouais, le jeu dans l'axe, j'aime pas quoi, c'est trop resserré. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ah là, j'y arrive pas vraiment. Ok, donc là, là il y a faute pour moi. Franchement, je pense qu'il y avait pas faute du tout. Donc au niveau des coups francs, j'en ai mis un, que j'ai bien sûr pas enregistré, hein, sinon vous l'auriez vu. Mais donc là... Ah là, là c'est à côté, là c'est à côté. Mais j'en ai mis un, il était magnifique. Il était franchement, sans me vanter, il était joli. Allez. Oh là là là. Voilà, son jeu, son... Je sais pas, son jeu... Ce qu'il fait, c'est tellement... Regardez là, il va mettre un crochet, bah voilà. Je sais pas si tout le monde fait ça, c'est l'habitude, mais en tout cas, moi... Pour moi, c'est très prévisible. Donc là, je vais vraiment changer. Déjà, je vais baisser un peu le gain de mon micro. Voilà, c'est bon. Oui. Bon, ça va peut-être un petit peu mieux, là. Parce que je voyais que ça saturait peut-être un peu trop pour vos oreilles. 11 minutes de vidéo, je perds 1-0. Je vais changer mon dispositif pour avoir plus de joueurs sur l'aile. Parce que là, le 4-4 de Los Orange, j'aime pas du tout. Je pensais que, voilà, gars, sur son seul tir cadré, il marque. En tout cas, il a la réussite, hein, c'est bien. Donc, est-ce que je peux changer? Voilà, s'il vous plaît. Dispositif. On va mettre un 4-3-3. Offensif. Alors celui-ci ou celui-ci? On va mettre celui-ci. On verra ce que ça donne. Donc soit le 4-3-3 offensif, je vais m'en manger un tout de suite et le match va être plié. Ou soit je vais peut-être pouvoir revenir dans le match. On verra ça. En tout cas, moi j'espère revenir dans le match et pourquoi pas le gagner. Ce serait pas mal. Voilà, là déjà ça joue un peu plus sur l'aile. Je vois les défenseurs qui montent, mais ils jouent pas. Oh non, non, fais pas ça, mec. Ah si, si, c'est bon, je crois. Ouais, ouais, si. Je sais pas, il a pas bougé pendant 30 secondes. Je me suis dit, merde, le mec il est pas là. Voilà, regardez, c'est ce que je vous dis en fait. C'est qu'en offensif, après, faut... c'est vraiment compliqué pour revenir en défense. Là, il va mettre un crochet, voilà. Il va en mettre un, et là, il va en mettre un. Eh, je serais pas voyant. Même si je fais folle, j'avais vu tout ce qu'il allait faire, mais il va faire un vieux centre. Il va pas le tenter, là, je pense pas. Merci le lag. Ah, s'il le tente. Bon, pourquoi pas. Il me rend le ballon, je vais attendre que les joueurs remontent un peu devant, parce que là, mon attaquant, il est un peu tout seul. Voilà, on va faire une relance à la main, tranquille. Super contrôle. Hein. Allez, allez, voilà. Voilà, c'est ça, c'est du jeu sur l'aile que je veux. Voilà, moi, je fais pas de crochet, je tourne autour de lui. En retrait, frappe. Oh, putain. Non, on dit pas d'insultes. Mais voilà. Si je peux remarquer très très vite, ça m'arrangerait. Là, il va la mettre en profondeur. Ouais. Allez, allez, allez. Vieux crochet, voilà. Et voilà. Non, 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 non. Voilà, on a eu peur, on a eu peur. Voilà. Ah, ça va mieux quand on peut jouer sur les ailes. Allez, tu le fumes. Tu le fumes, t'es plus rapide. Crochet. Allez, lui, tu le manges. Lui, tu le manges. Allez, allez, allez. En retrait. Aïe, 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 aïe. Oh, avec que des occasions, pardon, gâchées, quoi. Oh là là, ça part en contre. Et là, il part en contre. Et là, si je me loupe, c'est terminé. Voilà. Oh merde, oh merde, oh merde. Pousse là, voilà. Voilà. Ouf. Voilà, je vous ai dit, en attaque, il va avoir un peu plus de jeu. Mais en défense, ça risque d'être un peu plus dangereux. Là, si ça continue à laguer, ça va vraiment me saouler. Ah, il va le remettre dans l'axe. Voilà, c'est pour nous, c'est pour nous. Allez, pour nous. Sortie de but. Donc aussi, dites-moi si vous voulez soit des matchs complets, donc ça va faire à peu près 20 minutes, je pense, un match complet, ou soit des matchs sous forme de condensé. Donc là, il a fait pause. Ou soit des matchs sous forme de condensé, en fait. Soit je coupe les moins bonnes parties du match, je vous mets que des grosses occasions. Tout. Mais vous voyez que là, j'ai vraiment pas eu d'occasion, donc je vous mettais pas du tout de match si c'était ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous préférez, surtout dans les commentaires, pour que je vous fasse une série FIFA optimale. Voilà, et puis dites-moi quoi. Voilà, il a repris, il a repris. En tout cas, il a une connexion, mais de merde. C'est affolant. Vas-y,
C'est incroyable d'avoir une connexion qui saccade comme ça. Je sais pas si c'est le jeu ou sa connexion, mais pour moi c'est sa connexion. Et voilà. Je... Oh non ! Oh la passe sortie quoi ! Oh non ! Oh y a pas pénalty. Ah ouais, en même temps, voilà, c'est bon. Et la mauvaise relance, merveilleux. Et on est accroché, ben oui, putain, il fait toujours le même. Allez, allez, on essaye de repartir tranquille. Voilà, allez. Remets-lui dans l'axe. Oh non, plus fort, plus fort. Carrément le ballon à l'adversaire. Endo. Ça va pas être une partie de plaisir cette saison, mais on va faire notre mieux. L'objectif, c'est de monter en division 1. Allez, allez. Oh non, 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 pas ça. Voilà, allez, pousse-lui. Remets-lui. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Voilà, allez, derrière. Frappe. Mais frappe. Mais merde. Oh là 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 là. C'est incroyable. On est déjà à la 70e minute. Je perds 1-0. Ça fait vraiment chier. Voilà, crochet. Voilà. Allez, accélère, voilà. Voilà. Crochet. Faute. Obstruction. Balle assez équilibrée, on le voit. Mais c'est peut-être la clé du match. Oh, oh là 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 là, puis je vais perdre le ballon, bah oui. Puis là, il va partir en contre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il en est accroché. Oh putain, le but. Et ouais. Et ouais. Fais chier. Et pendant que le joueur fête le but, on va tranquillement revoir l'action au ralenti. Déception. Déception pour le premier match. Ben, défaite. Défaite. Ah, c'est pas fini, mais bon, vu les actions que j'aurais pu avoir, que je loupe, que je finis mal l'action, etc., je pense que là. Les carottes sont grillées. Mais allez, on reprend le match. Au moins, lui mettre un but, quoi. Pour sauver l'honneur, ça serait cool. Et si mon défenseur pourrait assurer ses contrôles aussi, ça serait cool. Chavaria. Allez, crochet. Ah, mais ça lag en plus. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez, voilà. On y croit. Ouais, des joueurs, ils sont crevés. J'aurais dû faire des changements aussi. Ah non, il est pas en jeu. Allez. Et prends-le. Va, attaque le ballon, bordel. Pars, pars, pars. Pas lui. Il est hors jeu, je crois. Bon, cette fois, c'est trop... Ah ouais, il était hors jeu, c'était pas lui. C'était sur l'aile que je voulais la mettre. Il a déclenché ce qu'on appelle le balle un petit poteau. Oh là 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 là. Tristesse et déception. Ouais, là, ici, là, il était hors jeu. Bon, si tu pouvais te dépêcher de passer le hors-jeu, ça serait sympa. Oh non, il va encore mettre 3 ans pour faire son dégagement. Il va me saouler. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, dépêche-toi, voilà. Il a été rapide pour une fois. Allez, en profondeur. Oh, mais c'est lag, quoi. Voilà, allez, allez, allez. Au moins un but pour sauver l'honneur. Aïe, 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 je suis débordé. Non, mais sorte pas comme ça, mais n'importe. Peut-être qu'il ne sera pas cadré. Il a manqué quelques centimètres, en effet. Désespérant. Ralenti qui nous permet de... C'est vraiment désespérant. Allez. Oh non, j'ai cru qu'il avait mis au bord. Prends-lui. Voilà. Pour les visiteurs qui vont profondeur. Boum. Oh, mais non. Mais non, mais si son gardien il commence à sortir des trucs comme ça. C'est pas possible. Voilà, franchement, je sais pas quoi faire du tout. Hein. Même si j'aurais pu faire quelque chose, là. Encore, je veux bien que j'ai loupé des actions que j'aurais pas dû louper. Mais là, quoi, voilà. Ça varia. Des limites. Allez, au-dessus, voilà. Non, pas lui. Sa non, mais non! Le genre d'occasion qu'ils ne font pas rater. Ça aurait peut-être pu les relancer dans ce match. Pourquoi je fais un lob? Voilà, même il me donne les ballons, je vous plaît. Non, mais c'est pas le match. C'est pas le bon match. C'est pas grave, on va le finir. Et puis la vidéo finira comme ça. Le titre, je pense que je vais l'appeler. Je sais pas comment je vais l'appeler. Le match du néant.
Parce que là, ouais, c'est vraiment le néant. Quoi. Allez, dépêche-toi. C'est bon, t'as gagné, il reste 2 minutes. Tu vas la mettre là-bas, on le sait. Allez. Ah oui, mais dépêche-toi pour faire ça, quoi. Dépêche-toi. Allez. Bon, le match, il est fini. Peut-être une dernière action. Ah ouais, comme là, mon attaquant, il est mort. Il peut plus. Il a tout donné, je crois. Ah, c'est pas ce quoi. Allez, un dernier centre. Pas lui. Voilà, allez, en retrait. Voilà. Centre. J'ai pas fait exprès. Je voulais faire un beau centre. Ce centre, tir n'était pas fait exprès du tout. Ah, il la touche. Ok. Corner. C'est dégagé. Et il ne se prive pas. Ah, c'est fini. Voilà, en même temps, Lucas le joueur juste avant la fin. Petite tradition. Et ben voilà, c'est fini. Je perds 2-0, donc il me reste maintenant plus que 7 matchs. Déjà pour soit me maintenir, ça serait bien. Ou ben déjà pour pas descendre et puis espérer monter. Voilà, ben dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez décondenser, comme je vous ai dit, pour NBA, ce que je vous ai parlé aussi au début. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a perdu, j'espère faire mieux sur le prochain match. En tout cas, je vous dis à bientôt tout le monde. C'était Monsieur Moret, j'arrive même plus à dire mon pseudo. Ciao, bye bye. Et...